Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarf pour un nouvel compagnon. Épisode de Donjon de Nullbuck. À l'aventure, compagnon. Pouette, 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 pouette. Prenons l'ascenseur. Nous voulons aller à l'entrée. Nous cherchons Mou. Petit chargement. Donc nous cherchons Mou pour un ranger attristé d'avoir perdu son petit compagnon ranger. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. On va vers les latrines. Et de mémoire. Hop, je me place là. Bonjour monsieur, il nous faudrait des bandages. On a pris tarif. Non, pas mon or. Si, il faut souffrir, il faut perdre son pognon. Voilà. Je suis toujours le plus démuni. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. On pourrait la soigner aussi. Il nous reste 8 potions, oh, on va pas la soigner. Tirons-nous d'ici. Oh là là, j'ai pas de prêtresse, le regret. Alors, de mémoire, par ici, il va y avoir des pièges. Suivons le voleur. Il y a un piège que j'ai pas désactivé, du coup, puisque le voleur avait vrillé. Ouais, c'est ça, c'est le deuxième. C'est ça. Marche pas dedans ? Tirer sur le bon loquet. Parfait. Ah, et du coup, on a gagné une bombe. C'est excellent, ça. Ça veut dire que le voleur m'a maintenant... Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Excellent. Parfait. On n'a pas une ceinture à contenance de deux, là ? Oh non. Oh non, on n'a rien. Ah, on a... Ceci dit, on a un petit bandeau pour le... Mais je crois que ça va être moins bien pour le barbare. Si ça sent, c'est mes bottes. On se doute. Et ça, c'est quoi ? Arcnas de Glandorm. Ah, à voir. Ah, j'avais pas vu que j'avais looté un arc. J'ai pas vu ce qu'on a looté. Deux de protection, deux de charisme. Non, mais elle est trop charismatique. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Alors, pourquoi pas ? Arcnas, 14. Ah oui, bah c'est celui où on vient de te remplacer ton arc. Ok, formidable. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Est-ce que tu te ferais pas une petite saucisse vite fait, là ? Non, je voudrais en manger une, là. Tu peux manger une petite saucisse comme ça ? Bon, tant pis. Hop, le ranger. Les fameuses latrines. Let's go. Un endroit sans issue de secours. Je n'aime pas trop. Ces toilettes sont vraiment délabrées. Il y a même un trou dans le mur. Ce n'est pas très glorieux. Je me demande ce qu'il peut y avoir derrière. Peut-être un passage secret avec des trésors. Ou alors un tas de bouse immonde. Il faut explorer tous les recoins, c'est plus sûr. Imaginez qu'un détail vital soit derrière cette cloison. Le problème est qu'il faudrait vraiment être petit pour passer par là. Ou très mince. Mince comme une elfe à gueule d'endive. Ou petit comme un nain, fils de tabouret. Ah, puisque vous êtes si malin, allez-y tous les deux. Jamais. Mais ça va pas la tête, pas avec ce bouseux. Et puis j'ai pas les bonnes sandales et ma tunique est trop fragile. Dis-moi, j'ai les poils de la barbe qui frisent et ma hache est émoussée. Ça sent la baston dans ce trou à rats. Bon, préparez-vous et allez-y quand vous le sentez. Mais je le sens déjà d'ici, ça pue. Allez, sinon le barbare vous y fait passer de force. Passez par le trou, maintenant. Misère. C'est répugnant. Okay. Ah, j'ai mon nain en lead. Trop bien. C'était trop trop bien. Ok. Ça sent les embrouilles tellement. Ah, des rongeurs partout. Des saloperies de rats. Et il y a aussi un hamster. Mais les hamsters
fait ici? Ils le retiennent prisonnier, le pauvre. On dirait plutôt que les rats le vénèrent. Ils sont immondes, et en plus ça sent mauvais. Ah bah c'est sûr qu'ils ne vivent pas sous l'aventure d'un parfumeur. Bon, il nous faut ce maudit hamster. Alors, vous vous en sortez comment? Prenez le hamster, vite! Ça va, y a pas un sablier non plus. L'idée, c'est de les forcer à sprinter. Ouais, c'est peut-être pas ma meilleure idée. J'aurais peut-être mieux fait de la garder cachée derrière un pilier. Le nain en parade. En parade maximale. Ce qui m'embête le plus... Est-ce que je peux tirer ça? Voilà. Ça... J'ai pas mieux. Et hop. C'est esquive les flammes, c'est esquive les flammes. Ça a tout esquivé. Bon. J'ai au moins le mérite d'en avoir abîmé un peu deux. Pas en rêve. Pas très gentil d'être méchant. Bon, ça se pète sans compétence. Ça. Pète-le. Genou. Aïe. Ok. Un petit tir qui régale comme ça là. Tout. Tac. C'est un joli tir, ma fille. J'ai presque envie de te reculer là pour éviter les embrouilles. Pop, pop, pop. Ah, ils vont la chercher parce qu'elle a pas... Ils aiment trop attaquer ceux qui n'ont pas d'armure. Attention. Ouais, ça part. Dégage. Parfait. Reste petit, reste bourrin. Voilà, on a pété un rat. Formidable. C'est la déroute. C'est la déroute. Mais je croyais qu'ils étaient en déroute, ces connards. Faut savoir, oui. Tac. Il y en aura pour tout le monde. Voilà, j'ai besoin de personne. Bah tu peux que soigner le nain, donc vas-y hein. J'ai droit à un petit sursaut d'adrénaline pour finir le raquet à terre. Mourir, c'est pas grave, mais si Chrome nous chasse hors du Valhalla, c'est la loose. Pas soigné, on ne soigne personne, y a rien à prendre, on plie les Gaules. Blah! Plus jamais je ne combattrai en compagnie d'un nain! Je fais honte à toute ma lignée! Bah moi aussi! Le seul truc positif, c'est qu'on se partage tous les XP à deux. Alors, ça c'est un insolite sur les arguments. Alors, y'a de l'or là-dedans? Et tout le loot. On voit pas bien les races, mais ok. On prend tout.
À première vue, il y a un truc pour elf là-dedans. Non, il y a rien pour l'elfe. L'aventure, lire, c'est nouveau ça. L'aventure est un concept et une activité qui semble étroitement liée à la terre de Fang depuis sa création. Un grand débat oppose quelques individus séniles pour savoir s'il fut importé par les elfes ou s'il préexistait à leur arrivée. Personnellement, je ne vois pas ce que cela pourrait bien changer. Et du coup, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Par Cham von Schrapwitz. Voilà. C'était l'instant culture. Ah, bah voilà! Des gantelets avec, genre, plus de protection. Ah, quand même! Les bons voilà. Objets aux bonnes personnes. Exactement. De la bonne taille, t'aurais pu rajouter, quand même. Tac, 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 tac. Y a d'autres choses à loot, à part le hamster? Non. Le hamster miniature, J'ai trouvé le cinquième hamster. Il est tout mignon. Mou. On a récupéré Mou. Encore ? Mais ça pue ! Allez, on s'arrache ! Non ! Mais non ! Mais non ! C'est répugnant ! Allez, on s'arrache ! Oui, et avec le ranger comme chef, sinon c'est pas acceptable. Sinon sa frustration n'est plus la même. Pourquoi ? Attends, pourquoi j'ai plein de points partout ? C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Ramenez-moi à Binsk. Ah, parce qu'ils sont en train de me dire, ouais, comme si c'était au même étage, mais c'est pas au même étage. Et il y a une porte ici à tomber. La porte qui a tombé là-bas, c'est une porte en caillasse, non ? Attendez, je vais check cette histoire. Cette histoire obscure. Alors là c'est cul-de-sac, c'est ça? Là c'est cul-de-sac. Faut que je fasse le tour par le cimetière, le machin. Ça me paraît bizarre cette histoire. Il faut éclaircir la situation. Ah, cul-de-sac. Il est joli le donjon, stylé. Cul de sac encore. Oh là là, c'est vraiment un donjon. Hein. Je tourne around parce que j'ai pas mappé mon parcours et que je sais pas où je vais. Voilà. On est obligé de passer par le couloir au piège. Tac 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 tac. Long comme épopée, hein. Ah oui, on peut pas ouvrir ça. Ok, d'accord, c'est pour ça. Ok. De toute façon, on nous montre une porte à la... que. C'est naze les jardins, c'est des trucs d'elfes. Nous c'est... au moins on sait apprécier la beauté. Ça c'est faux. Parce que vous avez pas les nains, et les nains c'est super stylé. Radin sur la musique. Incroyable. Avec les bonbons chantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. C'est dommage qu'on l'ait même pas dans les loots de base. Alors vraiment, chantos utilisable, hein, je parle, hein, bien sûr. Niveau budge, on a 2000 balles à claquer ? Non, on est pauvre. Oui, c'était une quête à nul autre pareil. Ouais, il faudra jamais qu'on en parle, d'accord? On va oublier ça. Mou, c'est super. On va pouvoir aller botter le derrière du mal, ensemble. C'est émouvant quand des amis sont réunis. Surtout qu'on voit tout de suite qui a le cerveau dans leur tandem. Pleine puissance, Mou. Ça va swinguer. Voilà. Ouais, il a raison, Mou. On peut encore se reposer un peu. On ira botter le derrière du mal plus tard. Binsk est fatigué. Binsk a trop pensé. Il a mal à la tête. Excellent. D'autres répliques, Binsk ? Tu as raison, Mo.
On peut encore se reposer. Dommage. On aurait pu être drôle. Et nous alourder 80 balles. Oh l'arnaque. Oh la souffrance. Ah mais le nain il a raison, on gagne pas de thunes quoi. Pas mon or quoi. Commercer. Vendre des trucs parce qu'on a vraiment pas de pognon. Oui, vend ça. Vend les deux petites bières là. On peut pas vendre notre coteau quand même. On va vendre un œuf. Terminé. On est pauvres comme des cailloux. Au secours, 800 balles quoi. Et moi qui avais trop de pognon, on a pu savoir quoi en faire. Au secours. Mais quelle misère. Ce donjon est vraiment pourri. On gagne rien. Cette tête d'ogre survint trop content. Je trouve que les expressions sont bien faites. Alors que vraiment, ils auraient pu en avoir cure des expressions, parce que finalement, c'est un RPG, on est jamais en train de zoomer sur la tête de Noga, quoi. Ceci est un mur. Ah oui, il faut qu'on aille rendre une bouteille de pinard. Oh, rendre voilà, des quêtes. Mes amis. Alors, vous avez été faire un tour à la cave? Vous avez trouvé le jaja? Ah! En fait, des gros crevards. Donnez le vin. Ouais, le voici. Ah, super, merci. Je vais pouvoir abreuver du bourgeois. Vous avez bien mérité un petit coup à boire. Tenez, pour la peine. Une bouteille du lot. Et c'est du bon, parole. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas écouté le choix du voleur. Le ranger gagne un niveau. Déjà, parce qu'on vient de prendre un niveau. Avec le ranger. Mais surtout parce que je rappelle que il a décidé d'ignorer l'existence du voleur. Donc j'écoute pas le foutoir là-dedans. J'écoute pas ce qu'il a à dire. Force, adresse, ça me va. De quoi qu'on parle. Technique de soins avancée, permettant qu'il guérit aussi. Les cibles enflammées et empoisonnées. Ah. Qui guérit. Ouais, renverser tout ça, pas trop. C'est pas très important. L'ennemi est étourdi, il a 100% de ses points de vie. Elle inflige deux fois plus de dégâts si l'ennemi a 25% de ses PV. Ah, il y a des trucs cool, hein. Il y a une plus une attaque d'opportunité. Donc on effectue deux partout. Et gagne plus 5 en parade. Ah, c'est pas dégueu. Ah ouais, c'est pas dégueu. Mais j'ai d'abord prendre un truc qui soigne solide. Ok, là ça commence à être très potable. Ah, il me reste encore. Bah oui, mais bon, c'est encore un point. Oui, tout à fait. Je suis d'accord pour qu'on puisse lui trouver un bouclier et puis lui équiper. Ça me va. Pour l'instant, même si j'en ai pas, ça deviendra rentable à un moment donné. Voilà, session rendre des quêtes. Ce vieux-là. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien. Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de l'amulette... Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la Caisse des Donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette, en plus ça rime avec mimolette. Ah vraiment, si j'appuie pas sur suivant, on reste sur cette blague. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Ils échangent en langage des arcanes, on n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil, et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point, à qui sait attendre, c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée.
Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit. Quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque. Mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage. Demandez à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareil, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Et nous déclinons toute responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Une dernière chose. Il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Allons voir cela de plus près. On a trouvé un nouvel étage. Chic chic. La bagarre. Oh, on peut fouiller. Fouille, fouille, fouille. Oh, un nouveau bouquin. La fonction anthropologique du gobelin. Les gobelins sont apparentés de manière plus ou moins directe aux orques, et ils sont classés généralement dans le groupe des peaux vertes, en rapport avec ce magnifique teint de salade fanée qui caractérise leur épiderme. Petit, râblé, voûté, le gobelin est une créature aussi malveillante que l'orque, mais dont la constitution ne lui permet pas de s'adonner à la baston avec autant de facilité. C'est scientifique. Ah, elle fait quoi notre bouteille de picrate là? Vin de Trouillac. Ça pèse une blinde? Putain, ça pèse une blinde? Moins en adresse, 4 de force, 4 de courage. Ça dure 9 tours. Oh, tu prends tout ton combat quoi. Voyager vers le troisième étage. Le luxe. La musique du rempailleur de chaises en bois. Incroyable. Ça sent les peaux vertes ici. Ça empeste le gobelin. Combattre. J'aime pas les gobelins. Ils sont sales et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Dit comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Mais ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Gobelin, miam miam, gobo. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger. Toi, tu fais des progrès en ogre. C'est que tu vas nous parler l'ogre couramment à la fin, mec. Ok, une grille. Une grille avec quelque chose derrière, parce qu'on voit, on voit R dans ce... Le jeu sur les touches est un petit peu, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ouais, si on va garder une caméra comme ça, on va le tourner tout le temps. Ça sent l'endroit, voilà. Voilà, j'aurais bourré les pièges. Hein. Bon, il y en a pas. Je vois aucun piège. Et je vois aucune raison que ce soit piégé. Il y a des gobelins qui se sentent refroidis, mais ça a l'air de bien se passer. Il y a quelque chose d'écrit sur cette porte. Ah, c'est... Ok. C'est du on s'en fout. Ça devrait être donc l'autre porte, celle avec un écriteau dessus. Sambouille, c'est fermé. Eh ben, tu ne crochettes pas. C'est étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un
un assemblage de plomberie. Dis plutôt que t'es aussi doué en crochetage que moi en tricot pour poney. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid l'hiver. Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de points en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Y a une pancarte. C'est écrit « Suite à des excès de boissons, l'accès au quatrième étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Revax, intendant principal. » Et voilà, tant pis. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. C'est bizarre, les pattes de mouche ressemblent à des dessins gobelins. Attention, je crois qu'on vient. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cet étage est interdit aux traînes-patins. Ah, encore un gobelin qui parle! C'est complètement anormal! Demi-gobelin, espèce de nabot grincheux. Et je suis l'intendant principal du donjon, dans ta robinet. Ah, vous tombez bien. On voudrait la clé pour le quatrième étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapez! Oh, vous êtes trop pouilleux pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles, pour la gloire du maître! La gloire du maître... Laisse la porte ouverte, laisse la porte ouverte. Oh, il y a encore une pelletée de gobelins à plus savoir quoi en foutre au secours. Stationnons de l'archer. Du distance là. Voilà, parfait. Un nain par ici, je suis d'accord. Ça par là, je suis pas d'accord, il y a de l'explosif. Ça me plaît pas beaucoup. Mais un gros là. Toi par ici, je mets une sorcière. Juste derrière, en gros. Et si je pourrais lourder un... Oh, voleur par là. Très bien. Baston! Observez une certaine forme de position défensive. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai de plus fort. Ah, il y a une il y a un risque de se casser la gueule sur la glace. Ça, c'est très drôle. J'ai envie de claquer mon truc maintenant parce que j'aime l'humour. J'ai envie de tirer là, tout de suite, c'est possible. Boum. Ça suffit pas. Très bien. Ils sont immunisés aux petites glissades. Mais... Je me sens pas bien. Vous avez fini. Combien 45 dégâts contre l'elfe? Rive à stack. Non mais c'est une blagzouille. Blagzouille qui signifie petite blague dans le milieu. J'ai 6% de chance de me casser la gueule et de me faire agresser par un... Je suis énervé. Pas péter ça là s'il te plaît. Voilà. Moi, tu m'as mis du feu partout, ça fait plaisir. Le barbare s'est servi d'un arc chez moi. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Alors efficace les fusils hein. J'ai un nain qui peut prendre un dégât ou alors tirer à l'arbalète là-dessus là. 74%, ça le fait mec, ça le fait, ça rentre. Ça rentre. Ton premier tir d'arbalète, je suis fier de toi mon bro. Ouais. Dégage-moi ça là. Comment ça tu l'as raté? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais vous allez vouloir coopérer oui ou merde? Insupportable. Ah oui parce qu'on est repassé à l'étage et j'ai oublié de... En fait ce que je voulais c'était payer une chambre d'auberge à tous mes gadjous. Et ça n'est pas arrivé puisque j'ai oublié. On est dans la merde. S'ils frappent tous au corps à corps comme ils frappent lui là, on va passer une sale journée. Hein. Je vous annonce, ça va mal se passer. Ah puis il a l'air over tanky. C'est leur chef ça, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Nous ne voyons pas d'autre explication. Sauf que là, t'es pas considéré de deux, t'es considéré de flanc, si. Ah si.
pas vu venir, celle-là. Excellent. Attention, ils vont me tirer les cheveux. Ils ont récupéré un courage des gobelins. Courage gobelin. Tenez bon. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. J'aurais bien sorti celui-là. Très beau tir, mec. Excusez-moi, je vais m'occuper de ton close là. Est-ce qu'une baffe standard ça suffit? Prends ça, Bobiette. Pardon, Mary. C'est le moment de faire péter ces barils là. Face de l'autre. 6% de chance de tomber, bah tant pis, il va falloir y aller mon grand. Est-ce que tu peux quand même réussir à baffer à un moment donné un con? Bah non. Évidemment. Quelle question. Ah, ça téléporte au hasard dans le dans l'espace. Sympa, sympa. C'est bien, c'est cool comme truc. Est-ce que j'ai besoin d'un heal tout de suite? T'as pris, ouais, t'as pris. Oui, mais tu peux te soigner que toi et ma sorcière pour l'instant, ça va aller. Feu. Allez, joli. Bien ouais. J'ai envie de me... Ah, c'est considéré comme gelé là? J'avais envie de me demander si ma grenade pouvait y aller. Oui, ma grenade peut y aller. Mais c'est pas... Est-ce que ça c'est pas mieux? Je sais pas, mais ça me paraît plutôt bon deal pour l'instant. Ok. Un petit soin sur elf. Serre les dents. Ça va bien se passer. À n'importe quel moment ça dégénère. Ah, enfin des adversaires faciles. Enfin je crois. Ils mettent tous des trucs handicapants ou des crits, enfin c'est assez infâme. Faut que tu le fasses. C'est beau ce que tu m'as fait. C'est bon. C'est beau, c'est ce qu'on voulait tous. Bien sûr. Donc on a un vigilant là. D'accord. Intéressant. Voilà, il n'y a plus de vigilance. Ah, c'est glissant ici. Oh, et t'abuses un peu le jeu. Hein. Le rototo de notre vie. C'est à l'intérieur ça. Oh, on l'a senti. Oh, on a senti que c'était à l'intérieur depuis trop longtemps. Je pourrais utiliser ma magicienne. Plutôt en distance là-dessus. Espèce de moldu. Ça parle mal. Même pas
Très bien. Donc là, on pourrait projeter un petit heal justement pour prévenir des futures blessures. Qu'est-ce qu'il joue là? C'est lui là? Et lui, il est où? Lui, il est là. On s'en fout, il est loin. Ouais, je ne bouge pas. Toi, t'aurais pas une petite... Désolé pour le bobo au doigt, hein, mais... C'est le moment de me faire plaisir avec une grenade, là. Je vais pas me gêner. Le voleur qui aurait été efficace sur ce combat. Hein. On lui aura donné sa chance, il aura été efficace. Ici, ouais. Trop lui là. Dans ta gueule. Ok, très bien. Il va falloir faire du heal. Quoique non, tu peux encore tirer. 40% là-dessus, 74, vas-y. Tire là. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. Pousse-moi ce gobelin dans celui-là là. Oui, c'est fait mais bully. Ah ouais, mais du coup, dommage. Ah, ça embête un peu qu'il soit fait bully. Pas de soin, mais certes, mais du DPS. Donc on peut commencer à allumer celui-là là-bas. Espèce de gobelin barbare, on peut commencer à l'allumer comme il faut. Elle est KO. Un petit KO empoisonné. Oh, est-ce que c'est bien nécessaire? Alors que là, bon, elle a une chance sur deux. J'ai eu meilleur jet sur des cadavres, quoi. Incroyable. Il reste tout seul. Le ranger, ce qui serait bien, c'est si tu pouvais toucher lui, voilà. Tous les risques sont pris. Oh là là, c'est incroyable. Un épisode super bon. Gagne un niveau. Avec un elfe qui gagne un niveau, hein, franchement. Quel spectacle que je vous donne quand même. Et on prend tout, bien sûr. Je vais même pas regarder ce qu'on prenait, mais on prend tout. Ok. C'est bon. On est à nouveau en groupe. Je m'attendais à ce qu'il me déclenche une cinématique. Je me dis, c'est bizarre, ça vient pas. Mais j'avais pas acheté des bandages. Ouais, si, merci. Parce qu'à chaque fois, il me propose de claquer une sacoche, mais non. En dernier recours, plutôt, ouais. Adresse et il me propose son courage. Oui, je suis d'accord. Allez, je suis d'accord. Le gros bisou qui donne de l'armure. Pas déconnant. Il y a une 5 en précision à l'arc. Pas déconnant. 5 en impact avec le nain. Du courage, bah, je l'ai toujours collé au ranger, il serait peut-être mieux temps que rien, que, c'est voilà. Toujours pas grand chose. Ça augmente sa portée conséquemment, qui inflige qui permet de mettre tranche tendon, donc je suppose de clouer quelqu'un au sol, mais c'est pas forcément Pop-Pom Girl non plus. Ouais, je vais aller chercher le, soin en plus. Validé. Bien joué ma grande.
Une épée longue de schnaffon. Ah oui. Oui. Excellent. Elle est acceptée cette épée. Ceinture de chirurgien gobelin, 3 d'emplacement. Alors toi déjà il te reste une place. Il te reste une place. Tac tac. Sur soi-même ou un allié. Ouais, mais je sais pas si ça permet à un allié qui est par terre de se relever. Je vais t'en équiper un. Ah non, couleur. Pas mes poches. Si 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 si. Tu regardes, c'est pour mettre dedans en plus. Sympa. T'as une ceinture avec de l'esquive toi. Donc on va essayer si de garder sent, ta ceinture. T'as une saucisse, mais j'ai l'impression que c'est genre inutilisable en combat ou genre ou presque quoi. Ouais, on va te mettre une potion. Hein. Emplacement 2. Ça t'aura de quoi relever les copains. Ceinture de chirurgien gobelin. Actuellement, t'as un truc qui rend plus idiot. Ça donne du soin à 3 tous les tours. Non, c'est ouf. Ça, c'est ouf, ça. Ça, on adore. Est-ce que c'est pas le moment de mettre ça sur Brindy, là, qui a juste un truc pourri. Ah, laisse-moi deviner, elle a pas le droit de la porter, la ceinture. Elle est là. Si. Équipe. Félicitations, ma grande. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ouais, ouais, c'est le bon gros foutoir, t'as raison. Mais on est bon. Mais on est bon. L'avantage, c'est qu'on est bon. Ok. Nous sommes très très bons. Très très prêts. Pour, tout du moins, le prochain épisode, puisque celui-là était très long. Encore une fois, je demande un pouce bleu, un partage sur ce donjon de Nullbuck. Hein. Je demande pas habituellement, hein, je suis pas chiant. Mais jeu sous-côté, ça serait bien que les gens s'y remettent, parce que ce jeu est vraiment très bien. Des bisous.